Messieurs, on est en votre compagnie pour évoquer Ricimer dans le GNT de Nantes ce mercredi. Le cheval, une quatrième place à Mons, mais certainement les possibilités de faire mieux avec un meilleur parcours. Oui. C'est un cheval plus de grandes pistes de parcours réduit. On n'a pas démarré très fort l'autre jour et puis on n'a pas eu un bon nom pour nous ramener. Donc il a pris une bonne ligne droite. Et donc il pouvait qu'il reste en forme et qu'il continue à bien courir malgré son âge. Et voilà, donc il a enchaîné pas mal de courses avec le circuit européen et pas mal de courses et de voyages. J'espère qu'il va maintenir sa forme jusqu'à la fin de l'année. Il vous paraît avoir une baisse de régime au travail? Non, on travaille très peu en ce moment, enfin on fait l'entretien, mais non, le travail ça me paraît bien. Depuis qu'il a couru à Mons, là, il paraît être resté aussi frais, mais bon voilà, c'est un petit peu la crainte que j'ai quoi. Est-ce que à Mons il a usé du pied, il était déféré des 4 pieds cette fois-ci? Alors déféré des 4 pieds, je trouve pas que ça l'améliore énormément. Voilà. Je pense pas que pour lui, il y a des choses sur lesquelles il a plus d'incidence, mais c'est pas le cas, c'est pas des négatifs, mais je pense qu'il a d'ailleurs, je crois qu'il a gagné, ses plus belles performances de l'année sont ferrées, donc c'est pas très important. Il a que 25 mètres à rendre à Nantes, entre guillemets, avec ses gains importants, ça reste un bel engagement. Vous avez quand même un cheval au top de sa forme, qui avait été arrêté à un petit moment, enfin même un grand moment. Il vient de bien courir à Mons, il a des atouts dans son jeu, semble-t-il. Oui, il est très maniable. Enfin, il manque un petit peu de vitesse au départ par rapport à d'autres chevaux, mais il a fait quasiment toutes ses courses cette année. Donc c'est vrai que dans les courses de vieux, c'est toujours un bon point. Mais puis Nantes, c'est plutôt une piste pour lui. Donc, j'espère être en une bonne place. Des ambitions dans les 3 ou dans les 5? On va essayer les 3, hein.